30 mars 1981, Ronald Reagan a été investi président des États-Unis d'Amérique, il y a à peine deux mois. Janine Clay Jr. aura le temps de tirer six coups avant que les membres du Secret Service le maîtrisent. Ronald Reagan est poussé dans sa limousine, une balle ricoche sur la voiture et blesse le président près du cœur. À son procès, une clé déclare qu'il voulait impressionner Jodie Foster, qu'il avait vu dans Taxi Driver. Déclaré irresponsable, il est interné dans un hôpital psychiatrique. Sa libération annoncée mécontente la famille de Ronald Reagan, même si le juge a émis 34 conditions pour cette libération. Hinckley devra résider chez sa mère et déclarer tous ses déplacements au Secret Service. Interdiction lui est faite de communiquer avec les médias ou de détenir des armes à feu. Pendant son internement, Hinckley avait écrit aux tueurs en série Ted Bundy et Charles Manson.